La bonne prière. Ouais, mon Dieu, qui est lumière essence primordiale du souffle. Et tu nous résumes le texte en l'articulation 2, 3 et 14. Et nous savons que de par l'écho, de par le reflet, de par l'onction transitoire et plus définitive, nous recevons en nous ce soir une énergie exceptionnelle qui localise en tout, en nous, en tout temps, en tout lieu, en tout circonstance, toute éventualité de merde. Et cette éventualité de merde est condensée et est détruite. Et nous savons que dorénavant, nous devons persévérer véritablement, reconnaître que Dieu est seul au-dessus de toute possibilité. Et qu'il n'y a qu'à lui pour nous donner d'être à 22 000 km de la Terre, d'être à 22 000, on peut avoir des vertiges, à plus forte raison si on est à 42 millions. Donc là, on est dans d'autres dimensions très élevées, mais tu viens toi-même, Dieu, et tu deviens, et tu redeviens notre parrain, unique en son genre, et de façon sublime. Tu apposes à travers le souffle, dans la certitude, ta main sur notre pomme de main gauche, plus de main droite, plus à notre cou. Elle est vraiment par le souffle et par la solide, d'une pénétration en profondeur. Elle sera donnée à beaucoup d'entre nous, désormais, de pouvoir faire ce que j'ai fait hier en faveur des membres du lot. Qui traînait le pied, oui mon Dieu, en valeur absolue, ils doivent savoir eux aussi que je n'ai pas cherché à savoir ce qu'il y avait dans le pied de notre soeur. À mon âme consciente, je n'ai pas cherché à savoir ce qu'on a commencé. J'ai tout simplement obéi aux instructions. Je n'ai pas la force. J'ai longé la partie malade et aussitôt dit, aussitôt fait, résultat accompli, la personne, on va dire, lève-toi et marche. On était à ce niveau, et désormais, Dieu veut nous donner cette possibilité de nous rentrer l'énergie originelle pour que nous aussi nous puissions dire à un parallèle, lève-toi et marche. Et la personne se lèvera et marchera. Pas selon notre volonté d'humanoïde, mais selon l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et par conséquent, nous sentirons l'état. Et nous recevrons les mentions spécifiques. Et dès lors, nous allons plonger dans la grâce et dans le flux de la lumière, dans le silence. Et à partir de là, il a été donné, à partir de dimanche, à beaucoup d'entre nous, même au-delà de nous, la possibilité de recevoir désormais la particule originelle qui nous animera et qui pourra stimuler ou restimuler notre cellule souche. Et par conséquent, Dieu manifeste le fait qu'il est certes un vrai jaloux, un Dieu jaloux, mais n'est pas un Dieu de rancune et n'est pas un Dieu de torpeur. Dans l'harmonie et dans la grâce, il nous donne ici et maintenant, la possibilité d'être localisé, d'être ouvert, d'être nettoyé, et puis de recevoir le souffle sur ma trêve dans son absolu. Et il a constaté qu'à un moment donné, nous avons cherché à tout faire par nous-mêmes. Oui, ça dépend des types d'écoles. J'ai même reçu de l'enseignement passé, des gens d'autres écoles spirituelles, bon, à qui on apprend qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Il est vrai qu'on doit faire beaucoup d'efforts, fournir beaucoup d'efforts, mais si on n'est pas défini, si on n'est pas préorienté, et si on n'avance pas à part dans la certitude, dans la lumière de Dieu, on ne va pas loin. Cependant, tu nous as recodifié ce soir pour que chacun, à sa façon, puisse agir. Si tu es évolué, sois évolué selon l'écho sur ma trêve, dans la vertu et dans la puissance. Si tu es connaisseur, sois dans la connaissance et manifeste la connaissance. Et à partir de là,
la connaissance deviendra un peu ou un sourd parce qu'il s'est menti et qu'il agit et nous avertit du fait d'avoir agi. Si on est de la sagesse, on recevra la grande sagesse et l'unité du souffle dans l'absolu nous donnera l'occasion de nous dépliquer en des millions, des milliards de possibilités et de toucher, pourquoi pas, nous aussi, le vide continent, car ce n'est la privatisation de personne. Et Dieu a permis et permettra désormais que nous puissions avoir des prophéties précises. Amen. De profondeur qui localise le mal et qui les décompose en ces éléments païens et qui agit. Si c'est le cas comme hier, ici et maintenant, il y a action, il y a réaction. Et pour terminer, je signe avec joie dans l'écho et dans le souffle sur ma 13 du livre de vie. Au moins cette fois, que oui, je ne veux pas du tout être miteux, c'est-à-dire amateur de miettes, ou qu'on se contentant des miettes. Même si à une période, cette période, je disais que l'argent m'a laissé parfois attendre. Oui, c'était vrai. C'était parce que d'abord j'étais pensionnaire, non seulement avant d'être pensionnaire, je n'ai jamais eu à passer une nuit affamée avant que je ne le désirais, que tous soient de la soupe. Que ce soit Alvin, comme de vos mains ou bien d'autres, vous recevez abondamment. Et notre frère Inapol, de par le côté sublime du Saint-Esprit, devient un patriarche de chez eux. Et ça va se savoir. Il n'y a pas que lui, il y a Mathurin et bien d'autres, tous. Vous recevez la faveur de l'énergie absolue en Jésus-Christ. Et tous, vous aurez aussi, vous aussi la possibilité de prêcher de la Bible pendant des heures et des heures sans ouvrir la Bible. Cependant, de temps en temps, comme je l'ai fait aujourd'hui, vous pouvez dire, vous voyez, allez à Matthieu 12 ou bien aller à verser de tel point à tel point. Et vous aussi, vous pouvez avoir la matrice du petit livre vert en vous. Et à ce moment-là, vous pouvez donc enseigner, puisqu'en réalité, nous ne nous comportons pas comme des esclaves. Si tu as l'autorité, par rapport à ceci ou à cela, si tu as la lumière du Saint-Esprit, tu as le verbe, tu as la foi et tu as l'énergie en toi, et à partir de là, tu parles avec autorité et on ne saura pas quand tu es Dieu, quand tu es Jésus-Christ, quand tu es le Saint-Esprit ou quand tu es toi-même. Pourquoi cherches-tu à savoir si c'est Dieu qui parle, si c'est le Jésus-Christ, si c'est le Saint-Esprit, même si d'autres vont prétendre que c'est de la prétention, si c'est la boule de lumière Alpha ZK qui vient de me pénétrer, à travers moi vous pénètre, je dirais oui, j'accepterai également oui, et j'accepte d'accompagner Dieu quelque part, et lequel Dieu me demande, dans la joie et dans l'enthousiasme, d'aider lié, s'il vous plaît, je ne donnerai aucun nom, parce que je sais que vous avez la rage quand Dieu vous délivre en vous nommant, oh, changez, je préfère que Dieu nous qualifie des miteurs. Et nous n'étions qu'au niveau des miettes. Si vous ne prenez pas la conscience du fait que les miettes, est-ce que les miettes sont bons? Les miettes sont bons. Non. Même si vous accumulez des tonnes de miettes, ce sont des miettes. Un point, un trait. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les miettes? Rien du tout. Et c'est pour cela qu'en Dieu et par Dieu, j'accepte maintenant, dans le bras du Souffle Saint, de devenir dans les merveillements un outil pertinent de la connaissance et de l'action. Et ceci dit, je vous bénis tous. Je vous bénis tous. Amen. Je vous bénis abondamment. Amen. L'auréole de l'émergence du Saint-Esprit, l'auréole de la connaissance dans l'absolu. Et si Jésus-Christ vous parle de l'émergence du Saint-Esprit, ne vous imaginez pas que ce soit la propriété privée d'une structure. Non! L'émergence du Saint-Esprit, c'est le pouvoir dans l'action. Amen. L'émergence du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui émerge, qui est puissant, et qui est, suscite la foi. Et je vois ce Saint-Esprit parcourir nos différentes forêts, nos rivières, nos marigots et autres, purifiant toutes les particules, les disposant en amont. Et chaque ramas pouvant poser jusqu'à 10 000 tonnes. Et à partir de là,
Il nous rappelle qu'il nous donne la capacité de nous imprimer des rotations et d'être de la vertu dans l'immensité et dans l'absolu. J'accepte de jouer mon rôle. Tout à l'heure, j'ai accompagné Dieu quelque part. Il m'a demandé de délivrer une personne, je ne donnerai pas le nom. Parce que, en vérité, nous l'avons délivré. Et nous avons délivré beaucoup d'autres personnes, même qui n'appartiennent même pas du tout au silo. Et Dieu m'a dit, est-ce que c'est bon que le mauvais vent soit dans une église? Est-ce que c'est bon qu'une église ou une structure spirituelle soit remplie de chauves-souris qui donnent à percevoir visiblement la mer? Non, et c'est pour cela que pour terminer, j'accepte avec Jésus-Christ que nous puissions faire cela. Et une fois de plus, il apprête des instruments de musique et avec lui, nous jouons, nous sommes à 17, nous jouons et chacun de nous joue un rôle. Et dégage une onde, un écho très favorable, et par conséquent, il vous sera donné à vous aussi de la fin de cette séance d'aller, d'accompagner Jésus-Christ, la lumière, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, et de délier. Ne cherchez pas à savoir si la personne est ouverte. Obéissez tout simplement à Dieu, et comme l'a dit la très sainte Vierge Marie, faites ce qu'il vous dira. On l'a fait, il y a le résultat, il y a eu du bon vent. Était, je ne qualifie pas, sinon c'était du bon vent. Et le bon vent, c'est par rapport à la culture. Merci et amen. Amen.